animatrice d'une association qui participe de la même mission que l'Église réformée de France. Vous serez au service de tous pour développer l'intelligence, l'approfondissement et l'actualité de l'Écriture dans nos églises et partout où une telle recherche est en cours. La reconnaissance d'un ministère, quel qu'il soit, pasteur, conseiller, catéchète, bibliste, passe donc toujours par un double engagement, l'engagement du candidat et celui de la communauté, liés ensemble pour le service de Dieu. C'est donc à vous tous qui êtes là et qui venez de recevoir les engagements de Sylvie Barral, qu'il vous ait rappelé combien vous êtes appelés, vous aussi, à travailler pour Dieu, et particulièrement aujourd'hui, appelés à prier pour notre sœur, afin qu'elle soit soutenue, entourée et fortifiée par l'affection et l'intercession de toute la communauté. C'est bien là votre sentiment. Ce ministère est reconnu aujourd'hui à la fois par le conseil régional, l'église locale et l'association Méromédia au sein de laquelle travaille Mme Barral. Après avoir reçu avec reconnaissance la déclaration de foi de ce nouveau ministre, la communauté lui impose les mains pour lui signifier la mission qu'elle lui confie et le soutien de sa prière. De Dieu et sa justice. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre sœur que nous recevons et établissons comme ministre de l'Évangile au service de ton Église universelle. Amen.